Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Wildmander avec Broodaf. Bonjour Broodaf. Coucou. Alors, il me faudrait des infusions, il me faut des champignons de barbareigne et des gousses d'aiguepine. Des champis. Tout le monde aime les champis. Non, je déteste ça. Quoi ? Dégueulasse. Bon, bah, y a qu'une seule plume brillante, j'ai l'impression, dans les coffres. Ah si, il y en a plein des plumes. Ouais, mais des plumes brillantes pour donner à Arx. Bah après, faut les modifier. C'est pas faux. On a plus les champignons. Oh, tout bien à voir. En même temps, la grenouille, elle a bien à voir dans sa gueule. Hein. Ah, je trouve qu'elle nous donne pas grand chose en ce moment, la grenouille. Elle fait un peu saradine. Avec que dalle dedans. Ouais, je suis un peu déçu, alors, hein, les grenouilles en ce moment. Où est-ce qu'on en avait planté les champis? Normalement, il est censé en avoir un petit peu partout. Je vais en faire deux, tiens, pour être sûr. Voilà. Mais est-ce qu'ils sont toujours là ou pas? D'ailleurs, je suis en train de voir que j'en ai dans mon inventaire, moi, des champis. Je peux peut-être t'en donner. Tout simplement. Bah oui, ça m'arrangerait. Bah ouais. Je reviens. Hop. À la maison. J'imagine que t'en as besoin pour l'établi, pour fabriquer des choses. Ouais, pour fabriquer des infusions. Alors. Hop. Je veux pas le manger, je veux le jeter. Voilà, je te pousse des champignons. Tout ce qui est plus champignons. D'ailleurs, j'ai des trucs un peu pourris moisis. Hop, pourris moisis dans le compost. Allez, poussez plus vite. Oh, j'ai des trucs qui servent à rien, que je vais pouvoir mettre dans les coffres. Enfin, qui servent à rien. Qui servent à rien dans l'immédiat, on va dire, surtout. J'ai l'impression que ça me consomme pas mes trucs. Bon. T'as pas l'inventaire plein ? Non, non, mais il doit me consommer d'autres plantes que les champignons. Non, bah voilà, j'en suis ressorti, je suis revenu, là il veut plus en faire. Bah. J'avais un bug, mais qui m'arrangeait bien en fait. Non, ça m'en a bien fait que 3 au final. Bah écoute, je suis prêt. Bah écoute, moi je plante des trucs, donc je pense que je suis prête aussi, hein, techniquement. Je suis coincé dans les arbres! Satané arbre, qu'est-ce qui a planté tous ces arbres, hein? Alors, faut prêter son talisman de flamme dans les dunes à Arx, mais... Je
vois pas son temple à Arx. C'est dans les dunes. Dans les dunes, il est au nord de Naya. Nord un petit peu est. Ah oui, ça y est, je crois que je vois là. J'ai une sorte de porte. Je voulais mettre ça, et je voulais mettre ça. Et j'ai absolument pas vidé le reste que je voulais vider, mais c'est pas grave. Hop. Donc. Je vais par là. Je vais aller dans les dunes. Les dunes. Copieuse. Quoi ? Bah au moins comme ça. On verra ça tous les deux. Il est par où ? Par là. Faut monter ? Faut faire le tour ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, faut pas se prendre la caillasse. La caillasse, c'est dangereux. Je peux monter ? Je le vois pas, ton temple. Ah si, ça y est, je le vois, ton temple. Wouhou ! J'ai trouvé le temple, j'ai trouvé le Moi temple. Moi aussi. Faut purifier les sources corrompues à proximité. Oh, trop cool! Ouais, alors, elles sont où tes sources corrompues à proximité? J'en ai vu une en passant. Ok, là. J'en ai vu une. Oh, bah, elles sont toutes les trois là. Ah. Sérieusement, on va pouvoir faire ça? Oh, trop cool! C'est bon. Oh, c'est cool! Maintenant, il faut prêter une plume brillante à Arx dans les salines. Bah, go dans les salines! Bah, ouais. Pour trouver le... Un TP. TP, il est là, le TP. Ah non, ça c'est pas le TP, c'est une source de flotte. Ouais, c'était une source de flotte, ça. Oh punaise, je vais finir par être hors carte moi. Je sais pas ce qui se passe quand t'es hors carte. Je crois que tu peux pas y aller. Hors carte. Ouais. Tiens, il y a Naya qui nous. Qui veut nous parler, je crois aussi. Ouais. Et je vais aller lui parler à Naya. Alors, améliorer le talisman. Oui, je peux. Flamme de vie et goutte d'eau bénite. Alors, je peux faire la goutte d'eau bénite. Voilà. Mais vous ne voulez pas parler, hein, Naya. Hein. Bon, bah tant pis. Tant pis pour elle. Alors, les salines. Hop. T'as trouvé dans les salines ? J'y vais.
Oh, d'ailleurs, je vois un joli truc qui brille tout vert dans les salines. Je vais aller lui parler. Bonjour, cher esprit. Un petit souvenir de survie. Tiens, il y a encore un esprit là. Ah, mais c'est, il fait jour, on peut pas lui parler, il fait jour. C'est pas de chance. Ouais. Sinon, moi j'ai trouvé le temple. J'arrive, j'arrive. Allez, je lui donne une plume brillante. Utiliser les plumes brillantes pour purifier les vapeurs corrompues. Voilà, trois à faire, parce que moi j'ai pas de plumes brillantes sur moi. Ben, j'en ai qu'une, je sais même pas si ça va être suffisant. J'en ai qu'une et visiblement une c'est devenu 7, alors je peux t'en donner. Voilà, je t'ai mis des plumes brillantes par terre. Merci. Donc, il nous faut les purifier les vapeurs corrompues. Elles sont là, je présume. Bah, Prenez GG! votre ciseau à Arx dans les canyons. Attends, on a peut-être un truc en survie à faire. Voilà, outil en métal stellaire. Oh! Et a priori, on a fait tous les trucs de survie. Oh! Et esprit, il va nous manquer la source bénie. Et la mélodie temporelle. Alors, on est où? Bah, gauche, là-bas. J'en profite, je vois qu'il y a un portail qu'on n'a pas fait. J'y vais en volant. Je vais même pas regarder si j'avais des glands. Lol. Ah si, c'est bon. Ouh putain, j'ai une... Une petite frayeur. Il est encore loin le portail? Un petit peu plus par là. Je dois pas être très loin. Alors là. La source corrompue qui a pas été purifiée. Hop. Et le portail est censé être juste là. En haut, en fait. Ouais, je pense. Alors, un parchemin des esprits. Top. Oh bah. Un coffre qu'on n'a pas ouvert. Parfait. Et du coup...
Il est où ce portail? Il est censé être là. Il est pas dans une maison ou un truc du genre? Bah, je l'ai pas trouvé dans la maison. À l'étage? Ah, il était à côté, voilà. Non, non, il était juste à côté, mais j'avais pas été voir du bon côté. Portail Cormoran. Alors, il faut qu'on aille dans le canyon, c'est ça? Oui. Manger un truc. Il paraît que j'ai faim. C'est pas mal comme ça. Hop. Alors maintenant, la question est... par rapport à là où je suis... de la villa. Oh, je crois que j'y suis. Mais qu'on a un vilain avant-poste. J'arrive. Oh, me dites pas que c'est un qu'on peut pas taper ça. Ça me blaserait. Ouais, c'est un qu'on peut pas taper, j'ai l'impression. Je peux te brûler, je peux pas te cramer, je peux. Si, celui-là, faut lui renvoyer. Ah, mais j'ai pas réussi justement. C'est ça qui me gênait. Ah ouais, ça fonctionne pas. Bon bah écoute, tant pis, on va aller voir Arx déjà. Maintenant, détruire les structures spectrales avec le ciseau du constructeur. Ça fonctionne. Cool. Je l'ai endommagé. Voilà. Un de moins. Hey, allez, cocotte. Ah, c'est cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir supprimer les... ceux-là comme ça. Mm-hmm. Maintenant, faut aller dans les montagnes. Alors, il est où déjà le téléporteur? Bah, tout droit, par là-bas, ok. Ouais. Faut lui reparler ou pas? Parce que je vois qu'il est en train de discutailler là. Je pense pas. Non. Pas besoin de lui reparler.
Et du coup, dans les montagnes, on a dit c'est tout au nord. Genre le portail violette est pas mal. Non, pile au moment où il y a une tempête, au secours. Je veux pas mourir. Moi non plus, j'ai plus de vie. Ah mais attends, j'ai des trucs maintenant contre le poison. Voilà, ça me redonne un peu de vie. La tempête s'est calmée, on dirait. Ouais. Ah, t'es parti dans l'autre sens. Bah, je sais pas, je voyais marqué un truc d'arc ici, alors je me suis peut-être trompé. Ah oui, je me suis trompé, puis je suis mort. Donc va falloir que je prenne le portail prime vert. Mais bah du coup j'interagis avec celui-là. Bah il me dit que j'ai pas l'aiguille temporelle. Bah si, je suis censé l'avoir l'aiguille temporelle. Est-ce que tu l'as prise? Bah... ça se trouve non. Ça serait bien capable de l'avoir oublié. Du coup... m'étonnerait pas de toi, tiens. Bah ça m'étonnerait pas de moi non plus, c'est bien ça le problème, en fait. Du coup... je vais me TP pour aller la chercher. Non mais je veux pas monter sur l'arbre. Je veux quand même. Le TP est juste là. Juste devant moi. Ok. Du coup. Effectivement, je l'avais pour récupérer. Oups. Bon, bah j'y retourne. Moi j'ai l'impression que j'ai à peu près tout récupéré. Ouhou, j'ai retrouvé l'hôtel d'Arx. Voilà, je te prête mon aiguille temporelle, Arx, maintenant que... oups. Que je l'ai, oui. C'est qu'on était vraiment en même temps à l'hôtel hein, quand fallait la récupérer. Hein. Oui, bah oui, non, mais j'ai juste. Oups.
Oh, il a ressenti un petit pansement au cœur en voyant que les spectres, ils n'avaient pas fait l'appel à lui pour semer le chaos. Comment on s'en sort de cette faille temporelle? Non, parce que j'aimerais éviter de crever. Bah t'en as trois autres à faire. Ouais ouais, non mais ça m'a un peu pompé ma vie d'un coup, en fait. Parce que j'avais faim. Et que j'avais un peu pas vu que j'avais aussi faim que ça. Et du coup ma vie a un petit peu pris cher. Et on peut les supprimer, les failles temporelles? Ça marche comment? Ah, elles finissent par disparaître. Oh, ok. C'est bon. Ouh. Je vois que vous avez compris la leçon. Ah. Les autres divinités n'oseront jamais vous en parler, mais elles savent toutes que c'est nécessaire. L'arbre de vie réside dans les profondeurs des montagnes. Ah, c'est celui qu'on avait vu. Il précède même les divinités. Cet arbre nous ancre au monde spirituel. L'essence circule librement entre les deux côtés. Selan a découvert son existence il y a longtemps de cela, comme les autres mages, mais n'a pas ressenti le moindre once de respect à son égard. Il n'y a vu que du pouvoir. Sa campagne contre les divinités, ses coups de force, chacun de ses actes visait à accéder à l'arbre. Les divinités le protégeaient coûte que coûte. Il a ainsi vaincu les divinités et lié son âme à l'arbre pour l'éternité. Ah, aïe, aïe, j'ai faim. Tant que cet arbre vivra, Selan continuera d'exister. Il ne cessera jamais d'épuiser toutes les ressources. Cela doit changer. Mais Selan et ses sbires se défendront bec et ongles. Préparez-vous bien. Oh là là, j'ai peur. Mais non, ça va bien se passer. Alors, faut qu'on regagne notre jardin. Pourquoi il y a un truc de mort là alors que j'avais tout pris? Ah bah je ne sais point. Voilà, donc, comme je suis à peine suicidaire, je vais voir si on peut débloquer le petit portail qui est au niveau de l'arbre. En plein milieu de l'avant-poste. Alors. Ah, parfait. Alors je peux, mais autant dire que après pour en repartir. Ça voulait pas me laisser me téléporter. ça me tapait un petit peu dessus. Alors, faites le plein de provisions, préparez les défenses de votre base et rendez-vous dans les montagnes et trouvez l'arbre de vie quand vous sentirez d'attaque. Ouh. On va s'amuser. Mouais, mouais, mouais. Mouais, 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 mouais. Thank you.
Oh. L'inventaire de la grenouille est plein à rabord. Elle a attendu qu'on parte pour se remplir de ce qu'il y avait dans le frigo. Ouais, ouais. C'est un peu ça, ouais. Passé où, grenouille? Attends-moi! Grenouille! T'es censé être par là. T'en profites pour te balader? Bah, y a, je vois un écran où il marque que j'ai que j'aurai un corps, mais je vois pas. Enfin, si je reste à cet endroit-là, c'est sûr que je vais avoir un corps. Allez, je vais rentrer. Alors, bon, déjà, on va aller mettre ranger un peu ce qu'on a dans les sacoches. Hop, 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 hop. J'ai faim, j'ai faim. Non, mais c'est un détail, ça. J'ai pas si faim que ça. Voilà. Ça, c'est cool. Et...
Chouchou, tu es au courant, Chouchou, que le but, c'est pas de planter le maximum de trucs avant que Célan il arrive, c'est de préparer les défenses. Mais des fois, elle est un peu calme, ma Chouchou. Alors Alors. ici un peu schizophrène, hein. Alors, comment on pourrait faire ça pour les défenses? Excuse-moi. Y a pas de mal, t'avais bien coupé ton micro. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour protéger par ici? Ça va être le moment où le silex et le grès vont nous servir à fond. Oh, ça peut être marrant ça. Bah dis donc, on débloque plein de trucs! Bah on essaye, ouais. Esprit, il y en a que 5, il nous en manque 3. En tout, il nous en manque 11. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Je l'ai mise là. Mais je te propose de s'arrêter là pour cette fois. Ouais. Donc, je sais plus si c'est à toi ou à moi de dire au revoir.
Je crois que c'est à toi. Ouais, je crois que c'est à moi de dire au revoir. Du coup, on va se laisser là. On avance bien dans l'aventure. On commence doucement à voir la fin, à voir le grand méchant. On va enfin voir à quoi il ressemble, ce grand méchant. On va se préparer pour l'attaque de Spectre qui va nous tomber dessus. Mais surtout, eh ben, vous allez pouvoir mettre des petits commentaires, des petits pouces et nous faire des bisous parce que nous, on vous laisse là. Merci Broudaf. Merci à toi, Chobiti. Bye bye tout le monde. Bye bye.